charge de rendre un hommage à ce groupe de joueurs qui sont battus aujourd'hui. On a joué un vrai match de Coupe d'Afrique contre une très bonne équipe de Sénégal. Une équipe jeune qui joue sans pression, qui essaye de faire le jeu. Et vraiment, on a sorti un bon match. Surtout que l'objectif c'était de, vous savez, un éliminatoire, il ne faut pas encaisser de but. Il faut essayer de marquer, il faut essayer de gagner. Je crois qu'on est satisfait. Parfois, par moment, on n'a pas développé le football qu'on veut développer, mais les joueurs sont donnés à fond. Ils ont joué vraiment comme il faut jouer un match d'éliminatoire. Je crois que du côté défensif, on est solide. Si bien dans la première mi-temps, on a fait peut-être une situation de risque nous-mêmes pour essayer de faire un contrôle de ballon trop bas. Ce n'était pas ça l'idée, mais en général, c'était bien. On a marqué deux buts, que ce n'est pas facile dans un contexte comme ça. Et sans oublier qu'on est en train de jouer un marathon de matchs que ça nous coûte. Malheureusement, contre WhatsApp, on a fait un combat plus qu'un match. C'était une guerre et on a perdu Karim Berkaoui, qui est une pièce maîtresse pour nous, pour un faute grave. Et presque on a perdu Jalal Daoudi aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, on a perdu Ayoub Melouki aussi. Ça, c'est la conséquence de jouer des matchs. Nous, on est les handicaps de voyager beaucoup. Mais bon, on voulait jouer la Coupe d'Afrique et il faut être prêt pour ça. Faut pas.